c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY de Noël. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette très facile. Il s'agit des chocolats de bain. Présentés avec leurs petits bâtonnets, ils fondent au contact de l'eau chaude pour nourrir la peau et la laisser bien hydratée. Comme d'habitude, il s'agit d'un DIY très simple et facile à faire qui ne nécessite que quelques ingrédients et qui est économique. Concrètement, il ne vous faut que deux ingrédients, du beurre de cacao et de la cire émulsifiante Polawax, la cire numéro 1. J'utilise 78% de beurre de cacao auquel j'ajoute 20% de cire 1. Je place l'ensemble de ma préparation au bain-marie jusqu'à temps qu'elle soit parfaitement fondue et homogène. J'incorpore aussi de la fragrance Sweet Candy à hauteur de 2%. C'est donc pour parfumer les petits chocolats de bain, mais bien entendu, c'est complètement facultatif. Vous pouvez vous en passer si vous préférez. Une fois la préparation bien mélangée, je vais sélectionner des moules en silicone et tout simplement la verser dedans et attendre qu'elle se solidifie légèrement pour pouvoir mettre les petits bâtons. J'ai décidé de réaliser des chocolats blancs, qui sont donc en fait la préparation pure et naturelle, et aussi des chocolats noirs, où je vais simplement ajouter un petit peu de poudre de cacao pour teinter la préparation et aussi pour la parfumer. J'utilise des petits bâtonnets en bois que je viens insérer dans la préparation qui est en train de refroidir. Elle n'est pas complètement stabilisée, mais elle a déjà pris en consistance. Cela permet de glisser les bâtons facilement, mais de les maintenir en bonne position puisque la préparation a déjà commencé à figer. Vous laissez reposer jusqu'à ce que ce soit parfaitement solide. Et voilà, il ne reste plus qu'à démouler. Ensuite, j'ai décidé, pour parfaire le résultat et les rendre encore plus gourmands, je vais faire un espèce d'enrobage avec des petites décorations culinaires que vous voyez à l'écran. Là encore, c'est très facile. Je réutilise un petit peu de ma préparation de base liquide. Je vais venir tremper le petit chocolat à l'intérieur de la préparation fondue et ensuite placer mon enrobage. On laisse de côté le temps que tout soit parfaitement pris et solidifié. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire le packaging. Comme d'habitude, vous retrouvez la recette détaillée ainsi que l'étiquette en téléchargement sur le site kellybeauty.com. J'espère que cette idée de soins gourmandes pour Noël vous a plu. Si tel est le cas, faites-le moi savoir. Laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. Et pour me soutenir, likez la vidéo, partagez-la aussi auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et surtout, si ce n'est toujours pas fait, filez vite vous abonner à la chaîne et activez également les notifications pour ne rater aucun DIY. À bientôt les calinettes!